Bonjour, je suis Muriel Marie, votre coach en développement personnel et votre voyante médium. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet. Je suis amoureuse d'un pervers narcissique, un PN, si vous préférez. Comment le vit-on quand on vit avec un pervers narcissique? C'est la bonne question. Alors, lorsque nous sommes amoureuses d'un pervers narcissique, il ne faut pas s'attendre à des miracles dans notre vie quotidienne. On est sous emprise. Il faut vous dire que le pervers narcissique vous met sous emprise, quoi qu'il en soit. C'est une personne qui ne vous aime pas non plus. C'est à sens unique. Vous avez beau vous faire tout pour lui, vous avez beau vous montrer sous votre plus beau jour, le pervers narcissique n'en a rien à faire de vos émotions. Ce qui compte, ce sont ses émotions. Sachez-le. Quand vous vous engagez dans une relation avec un pervers narcissique, oubliez qui vous êtes. Vous devenez sa chose. Et quand vous vivez aussi avec un pervers narcissique, le pervers narcissique ne fera rien pour vous aider, pour vous faire comprendre que vous êtes quelqu'un de bien. Au contraire, il va tout faire tout au long de la relation de vous rabaisser. Il est incapable de voir qui vous êtes. Il veut toujours mieux. Toujours voir ailleurs, toujours mieux. Le pervers narcissique est incapable d'être fidèle aussi. Sachez-le aussi. Le pervers narcissique ne s'intéresse, admire les autres personnes parce qu'il les jalouse aussi. Il est toujours jaloux des autres. Donc, quand vous prenez l'engagement et que vous vivez avec un pervers narcissique, sachez que vous vous engagez à avoir de sacrés soucis et de problèmes. Parce que le pervers narcissique va vous enlever tout ce qu'il y a de meilleur en vous. Il va faire en sorte que vous soyez seul. Il va vous éloigner de toutes les personnes que vous aimez. Il va vous éloigner de vos envies, de vos amis, de tout, puisque vous êtes sa chose. Alors, mesdames, messieurs, vice-versa, parce que ça peut être aussi des femmes, pareil, ou des hommes. Quand vous rencontrez les situations dans lesquelles que vous vous retrouvez, que je vous ai légèrement décrites, parce que le sujet est très vaste, et je pense qu'il faut savoir est-ce que je dois continuer avec lui ou non. Parce que le pervers narcissique, il ne va jamais avoir un jour, allez hop, j'ai une illumination. Au contraire, il va tout faire pour vous abattre. Donc, quand vous tombez dans les mailles d'un filet d'un pervers narcissique, si vous n'avez pas la force de caractère, vous pouvez vous retrouver en dépression nerveuse, et même très grave. Donc, je vous invite que si vous vivez avec un homme et que vous retrouvez, que si cet homme vous empêche de voir vos amis, de voir votre famille, qui vous critique dans ce que vous faites, réfléchissez si vous n'avez pas affaire à quelqu'un de toxique. Je vous laisse méditer sur cette première vidéo sur les pervers narcissiques. Et retrouvez-moi sur ma chaîne, abonnez-vous et parlez-moi de votre histoire. Je vous aiderai à vous en sortir et comment faire. Merci. Au revoir.